Je m'appelle Caroline, je suis originaire de Normandie, j'habite dans les Yvelines. Euh, j'ai 36 ans et j'ai at été atteinte il y a 4 ans d'un cancer du sein. Il m'a fallu quelques temps pour, euh, pour commencer à réaliser. Et, et très vite, j'ai commencé un petit peu à, à tout remuer. Ok, alors ça veut dire quoi Par quoi on va passer euh, Où est-ce que je vais aller me faire opérer Comment on va gérer les enfants Enfin, voilà, très vite, j'ai senti le besoin de, de prendre les choses en main et et pas me laisser euh, aller. J'avais une petite fille de 2 ans et un garçon de 5 ans. Euh, je leur ai... enfin, on leur a rapidement dit que, que j'étais malade. On n'a pas forcément employé le mot cancer euh, à l'époque, mais que j'avais un, un bobo plutôt euh, au sein, et un petit peu ce qui allait se passer, les différentes étapes, la grande fatigue, la perte des cheveux, l'hospitalisation de façon régulière, le fait que j'allais être un petit peu moins présente avec eux, mais que... Voilà que, que l'amour il serait toujours là et que la vie elle, elle allait continuer. Très vite j'ai eu besoin de d'écrire de, un livre que j'aurais moi aimé trouver euh, pour euh, enfin, pour m'accompagner Ton des traitements donc euh, comment vivre son cancer au quotidien qui est paru euh, le 15 mars aux éditions euh, de la Martinière. Donc l'idée c'est que ça soit vraiment un compagnon de route de l'annonce de la maladie jusqu'à la résilience.